Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur ATS pour une petite vidéo multijoueur, donc je l'ai pas encore fait. Donc voilà mon camion américain, je kiffe vraiment, moi j'adore en plus l'Amérique, donc je trouve super beau le camion. C'est un chouette camion, donc on va commencer tranquillement, on va aller chercher une petite remorque pour commencer, bien sûr. Donc hop, petite capture d'écran pour commencer, tant qu'à faire. Voilà, je sais pas si c'est la prise. Attendez. Et voilà. Donc on est parti, on va aller chercher le reste. On va chercher la remorque, ça va plus vite. Hop, je remets le GPS. Donc je connais pas du tout, on est en Amérique, bien sûr. Pour les personnes qui connaissent pas le jeu ou qui n'ont pas encore testé. Donc hop. Donc il y a du monde, il y a des beaux camions quand même. Là, l'intérieur, vous le voyez, il y a des petits. Tout petits rétroviseurs juste devant. Alors. Il me laisse passer, il est gentil. J'ai mis le clignotant, mais je sais pas si ça marchait. Oui, ça marche, mais bon. Non. Je vais faire gaffe derrière parce que je gêne. On va aller là sur la droite. Par contre, il est un peu loin à démarrer le camion, donc j'ai juste allé voir les réglages un peu parce que j'ai pas été voir encore les réglages. Ah là, on est tranquille, on est arrivé ici, on va faire une petite pause, on va juste aller voir les réglages. Je vous conseille le jeu, c'est comme ATS, ETS plutôt, c'est pareil, c'est les mêmes choses, c'est le même camion, sauf que c'est en Amérique bien sûr. J'ai fait les paramètres pour changer, mettre tout en français parce que c'était pas en français, donc du coup j'ai tout changé. Attendez que je regarde, simulateur de fatigue. Question. Un peu contrôle, je regarde un peu, je cherche. Freinage, tac. Il n'y a pas. Audio, ça c'est audio, non. J'ai oublié des limitateurs de. Limitateur de vitesse, je cherche, je trouve pas où je suis aveugle. Attendez, que je suis en train de regarder. C'était pas de nouvelles. C'était pas pareil, après tout est différent. Limitation de vitesse sur le GPS. C'est celui-là là-haut. En V, boîte de. Non. Vraiment, c'est pas pareil. Au pire, je laisserai comme ça. Je chercherai un peu plus tard. Je reviens quand même. Alors, c'est un truc à décocher, donc non, c'est pas ça. C'est pas grave. Hop, et c'est parti. Hop, offre, et on va aller où? Oh, c'est pas long, on va la prendre. Ah, on va commencer comme ça. Vas-y, avance, faut que je passe, mec, de toute façon. Avance, mec, faut que je passe. J'ai pas envie de te rentrer dedans, de toute façon. Je te laisse passer. Voilà, je passe dans ta remorque s'il faut. Les camions, vous avez vu, sont un peu plus grands que ceux-là en France. Bon, les plaques sont bien grosses en fait, les plaques sur le camion on voit très bien en France avec le super flow dessus, mais c'est vraiment grand. Hop. J'ai l'impression que c'est un peu plus long à tourner. Donc si vous entendez un bruit quand je freine, c'est normal parce que j'ai enlevé j'ai mis le truc du freinage pour les remorques sur le camion. Donc en fait ça freine un peu plus vite. Bon. Donc on en a pour 3 heures. Voilà. Et on va découvrir un peu l'Amérique. Donc je connais pas du tout. Il y a du monde qui joue. Et c'est parti. Direction. Ah, il est pas passé. On recule. Donc c'est un peu chiant le bruit. Enfin, je retrouve pour enlever le truc. Donc bien sûr, il faut rouler vraiment sur les. De trottoir pour prendre large là-dessus. Donc on n'entend pas le clignotant. Voilà, des motos. On peut tourner. Voilà.
Et on est parti. Alors moi j'adore vraiment l'Amérique, donc je profite en fait d'y jouer sur ce jeu. Donc vous avez vu, j'ai tout remis en français sur la droite, l'heure, tout, parce que moi je connaissais pas les jours et tout, donc c'est pas mal, c'est mieux. C'est du furniture de bureau qu'on s'appelle, qu'on transporte. Donc on est bien. Il y a personne. Voilà, quand je vous dis. C'est pas si facile parce qu'ils sont longs les camions, donc ils sont plus grands. J'ai modifié l'arrière, l'axe de l'arrière de la remorque du camion. Donc du coup j'ai mis un peu plus grand. Parce que vous pouvez mettre le plus gros ou plus petit. Donc j'ai mis au plus grand. Comme ça je suis tranquille. Non, c'est pas ici. Alors je fais gaffe un peu. C'est chaud, c'est pas si facile. Hop, désolé, j'ai avancé un peu le micro parce qu'il était trop long. C'est pas si facile qu'on croit en fait. Faut que je règle en fait le réglage. J'ai pas fait mon réglage, c'est pas bien. On va s'arrêter juste deux petites minutes, les amis. J'ai pas fait mon réglage. Non, attendez, hop, mon réglage ça doit être... Non, voilà, hop, on va juste régler un peu. Voilà. Suivant, après c'est quoi, je m'en rappelle plus. Ça, le volant, est-ce que je l'ai assez? Non, le fauteuil déjà, on va le remonter au maximum. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu fais toi? Je vais genre tourner un peu la tête comme ça. Là. Voilà, c'est bien. C'est réglé comme ça, à ma manière, mais vous inquiétez pas, voilà, je suis bien. Le rétroviseur, je le vois comme ça, je vois tout, et c'est parti. Il y a un camion qui arrive, donc je fais gaffe, je l'ai vu sur le radar. Bon, lui, il roule plus que moi, c'est normal, il a enlevé le limitateur de vitesse, mais moi, je l'ai pas trouvé. Je vais chercher plus tard pour regarder, mais pour l'instant, j'attends un peu. Elle est un peu long, je vous confirme. J'essaie d'accélérer un peu, mais il est un peu long. Je me mets sur la voie de gauche comme ça, je suis tranquille. Allez, il est un peu long le camion quand même. Il est beau. Je crois que j'ai peut-être enlevé les deux petites rétroviseurs devant. Mais sinon, il est magnifique le camion, c'est un bon camion. Alors. On aura des quelles sur la droite du coup. C'est vraiment beau, c'est vraiment le désert. C'est ouais, voilà, c'est le désert entre guillemets. C'est la campagne, c'est beau, hein, c'est magnifique. Ouais, je sais, mes jantes, ils sont tous pas pareils, tous différents en fait. J'ai pas eu tourné réglé, j'avais trop la flemme. Et du coup, j'ai pas regardé. C'était quoi, furniture de bureau, on avait dit du Seston. On a attendu pour 10h et 14h, donc on est bien pour mardi. Mercredi plutôt. Temps restant 6h, prochain cours, tu verras. Ok, on est bien, on va y aller tranquillement de toute façon. J'ai envie de vous dire. Je suis à 105 km à l'heure, c'est limité à 121. De toute façon, on est bien. Je vais pas aller plus vite. Attendez, hop. Ça donne soif en fait. Alors, dites-moi si vous l'avez testé ce jeu. En fait, c'est les plaques qui gênent. J'entends regarder, en fait, c'est la plaque qui gêne. Sinon, je peux pas voir en fait. Enfin, j'enlève la plaque. Ou j'en mets qu'une et. Je sais pas. Ou j'en mets pas les rétroviseurs. Je sais pas si c'est ça. À votre avis, je laisse les rétroviseurs, les petits rétroviseurs pour la prochaine fois ou je les enlève. Ou j'enlève les plaques. À vous de me dire c'est quoi le mieux. Je voulais savoir, vous l'avez acheté le jeu ou pas, ATS? Parce que c'est un bon jeu, regardez, c'est vraiment magnifique, il y a du beau design. En peinture, il y a vraiment plusieurs peintures. Il y avait un ours, il y avait... je sais plus quoi, il y avait un ours, il y avait une femme sur le camion allongée, sur le toit je crois, un truc comme ça, en dessin. Il y a pas mal de choses. Après,
J'ai pas. Moi j'ai vu le drapeau américain, je l'ai pris parce que j'adore. Puis là on est vraiment en Amérique, donc c'est normal. Sur l'autre jeu ATS, ETS, j'ai mis la couleur de la France. Vous avez vu avec la tour Eiffel derrière et tout. Là on a les drapeaux américains derrière aussi avec les étoiles, 51 étoiles. Avec voilà, les terres en fait. Là pareil. Donc chaque endroit, chaque jeu en fait, je représentera un pays, c'est normal. Donc ETS c'est la France, puis ATS c'est l'Amérique. C'est tout logique que j'ai envie de vous dire les amis. Mais ça va, le camion il roule pas mal en fait, il faut juste faire les réglages pour aller un peu plus vite. Parce que moi j'aime pas trop quand c'est long. J'ai ajouté de la thune actuellement. Parce que après vous allez me dire, ouais mais t'as triché, t'as rajouté de la thune. Je vais vous montrer ça en vidéo rapidement, vous inquiétez pas, vous allez avoir une vidéo pour vous montrer comment rajouter de la thune. Parce que ça sert, il y a beaucoup de personnes. J'ai un groupe Facebook actuel pour ETS et ATS. Je vous conseille de venir. Et il y a, c'est vrai, des fois quand je partage des photos, des accidents, des gens qui créent des accidents, ou même moi quand je suis dans un accident, t'as des personnes qui te foncent dedans. Il y a beaucoup de personnes qui, eux, ils ont pas fait le truc pour l'argent. Après, c'est leur choix. Moi, je l'ai fait. Et je regrette pas du tout parce que quand je vois les personnes qui marquent dans les commentaires les sous qu'ils ont dépensés pour juste un accident, parce que t'as des mecs qui roulent à contresens sur l'autoroute ou qui prennent des ronds-points à contresens, c'est. Voilà, ça fait un peu mal et c'est un peu chiant. Donc après c'est les sous qui disparaissent. Là j'ai mis un peu de thunes, j'ai un peu triché, ok certes, mais au moins je suis tranquille, j'ai tout simplement un peu de thunes. Et comme ça si j'ai un accident ou n'importe quoi, je grille un feu ou un radar, je me fais flasher par exemple, j'ai de la thune et comme ça ça m'enlève pas grand chose et on peut jouer tranquillement. Certes c'est de la triche, après c'est 5-1-5, c'est voilà, c'est les personnes qui choisissent, moi c'est mon choix. Après on a tous un choix différent. On m'a demandé sur Steam comment faire, donc je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire pour rajouter de la thune sur ETS et ATS. Ça marche pour les deux, c'est le même site, donc je vous montrerai ça prochainement, vous inquiétez pas. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment faire tout simplement pour ajouter de l'argent. C'est très simple, c'est pas compliqué. Et ça vaut le coup. Après vous n'êtes pas obligé de vous rajouter une tonne. Moi j'ai rajouté une tonne parce que comme ça je suis tranquille. Mais après si vous voulez pas ajouter une tonne, c'est vous faites ce que vous voulez. Donc du coup voilà, c'était de la triche. Mais bon, il y en a beaucoup de personnes qui font bien sur des autres jeux, comme sur GTA. Pourquoi pas le faire sur ETS et ATS. Voilà, c'est, j'embête personne, je fais mon truc de mon côté. Et voilà, après les gens s'ils sont pas contents, bah tracer le chemin. Blablabla. Désolé, tracez le chemin les mecs, j'ai envie de vous dire, donc arrêtez de... Faut pas vous plaindre parce que j'avais rejoint un autre groupe Facebook, on m'avait dit ouais mais tu triches. C'est mon choix, voilà, c'est... Mon choix c'est d'avoir un maximum de thunes. Tout ça comme ça je suis tranquille, je peux jouer tranquillement. C'est sûr, au début j'avais pas beaucoup de thunes et ça m'énervait parce que tout simplement... quand j'avais un accident ou un truc comme ça, bah je payais, j'étais tout le temps dans le rouge, dans le négatif, j'arrivais pratiquement à 900 000, moins 1000 plutôt, ou moins 2000, donc du coup ça faisait mal un peu au cul de réparer, il fallait faire des prêts à la banque et tout à chaque fois, plus les prêts qu'après qui font rembourser à la banque. Donc du coup tu dis à la fin, le jeu était un peu dans la merde, parce que tu fais des prêts, les prêts sont remboursés, parce qu'il faut les rembourser bien sûr les prêts sur le jeu. Et après, par la suite, bah, tout simplement, après, bah, si tu rembourses les prêts, faut pas oublier ta licence. Et si tu fais l'idiot sur l'autoroute, sur la route, et bah, tu payes. Donc, déjà, ça t'enlève un peu de thunes. Donc, du coup, bah, ça te fait réduire un peu de thunes. Donc, c'est pour ça que j'ai triché un peu. Voilà. Après, je l'avoue, je peux m'en cacher. D'après, les gens, s'ils ont des quelque chose, s'ils ont des choses à dire, bah, venez en commentaire, venez en privé, je sais pas, dites-le. Mais voilà, ça m'empêchera pas de jouer. Et puis, après, les gens, voilà, tracer le chemin. J'ai envie de dire, en fait je suis en train de parler mais c'est très bien parce qu'on arrive dans pas longtemps. Je fais même pas gaffe depuis tout à l'heure mais on est en train d'arriver. Voilà, ville découverte. Depuis tout à l'heure en fait je parle. Mais je fais pas gaffe. Hop là, c'était la toute première vidéo sur ATS. Un multijoueur. Ça m'énerve un peu avec les plaques, dites-moi du coup sur les commentaires si je les enlève ou pas, les plaques ou si j'enlève les rétroviseurs qui sert à rien les petits. Rétroviseur. Non, c'est pas ici. Par contre, enfin, je fasse le truc de la remorque parce que c'est chiant à chaque fois quand je prends le bruit, ça fait. Je l'ai mis, mais ça sert à rien en fait. Voilà. Et on est arrivé. Voilà, on est tranquille. C'est magnifique quand même.
Allez, pour la fin, on va respecter quand même le feu. Voilà. Moi, je fais pareil dans la vraie vie. Je prends un avant dès que je vois un feu. S'il y a personne derrière et devant moi, je prends une... Comme ça, je suis tranquille. Et en ce moment, pas les têtes. Je pense beaucoup de personnes le font. Voilà. On va prendre une plus facile, en fait. Je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me prendre la tête. Donc, du coup, on va se garer là. En marche avant. Et du coup, hop là, on est tranquille. Ah, on était bien. Ah, ça n'a pas bruit. Bah, bravo. Je pensais qu'on l'avait en fait. En fait, j'étais trop loin, hein. Je voyais que le derrière, mais je l'avais pas vu devant qui s'était pas allumé encore. Et on est excellent. C'est excellent tout ça. C'est très bien les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vais faire les réglages pour la prochaine vidéo. Dites-moi si vous l'avez acheté le jeu, si vous le trouvez mieux. Ou vous préférez tout simplement ETS que ATS. Dites-moi dans les commentaires, vous pouvez donner tout simplement vos avis. Et moi je vous dis à très vite et ciao bye bye. Salut tout le monde. Bon game à tous, salut.